Allez. Ok. On y va, tu dis stop. Bon, tu as 3 minutes 47. C'est parti, 3 minutes 47, on pète tout, allez, on y va. Ok, ok, donc le numéro 1, c'est WAM. Voilà, c'est toi le numéro 1. Donc on va pas te présenter, on va juste sortir ton blaze. Vas-y, tu t'es. Yuval the King. Ok, Yuval. Alors Yuval, parle-nous un peu, pour l'instant tout le monde te connaît, mais parle-nous un peu de ta facilité ou ton envie chaque fois de te renouveler, de faire des propositions quoi. Bah c'est simple, j'estime que pour être employé en 2015, il faut cartonner en 2014. Parce que je trouve que la rue c'est une génération de danseurs Kleenex, et que ce soit danseurs, speakers, n'importe quel prestataire dans la culture hip-hop. Donc si tu sais pas te recréer, te renouveler, les gens ils passent à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui il faut être réactif, il faut être porteur pour la nouvelle génération, il faut être ambitieux. Il faut être une espèce de symbolique forte pour que les gens à un moment donné, ils te voient et soit ils veulent te ressembler, soit ils veulent rentrer dans ta matrice. Et à un moment donné, plus on est fou, plus on rit. Mais moi c'est plus on est fou et plus je fais de l'oseille. Allez. Ah, mais en même temps, en même temps là, ouais, par rapport à ta fonction de speaker, ouais. C'est pas ce qui t'anime le plus, j'ai l'impression, parce qu'à côté de ça, t'es plus dans. Speaker c'est ma façon de vivre, c'est mon travail. Après moi ce qui vraiment me fait kiffer, c'est de faire des choses pour les jeunes, notamment orchestrer les événements gratuits pour les jeunes, voilà, qui ne sont pas élitistes, pour tout le monde, que tu sois fort, que tu sois pas fort, t'es le bienvenu. Créer des rubriques pour essayer d'éduquer la nouvelle génération, d'être un petit peu formateur à mon niveau, même si je suis pas enseignant de la danse, je ne vis pas de ça, voilà, c'est pas mon truc. Et surtout essayer de trouver peut-être le nouveau délire pour demain, si j'arrive à avoir l'idée. Et c'est pas tout d'avoir l'idée, après il faut pouvoir la créer, il faut pouvoir la proposer, il faut pouvoir qu'elle puisse séduire les gens. Et ça c'est encore une autre histoire. Ok, alors vite fait, alors parle-nous de ton concept de dingue là du mois de novembre là, c'est quoi? Au mois de novembre, je vais faire un truc incroyable. Et je vais poster une vidéo tous les jours à partir du 1er novembre, tous les soirs à 20h, une nouvelle vidéo avec un passage différent tous les jours. Juste pour montrer aux gens que je suis capable d'être jury, que ma place je l'ai volée à personne, que je suis toujours danseur, que j'ai peur de personne, que je peux affronter n'importe qui et que j'ai plus de 31 passages. En réalité, j'en ai plus de 35, mais je vais en poster 31. Parce que juste pour dire aux gens, voilà qui je suis. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en étant speaker, moi je danse jamais en fait. Les gens ne me voient jamais danser. Sauf toi, là-bas, à la fin, on s'est vu à l'événement, Battle de Samir de Nîmes d'ailleurs, que je remercie, qui m'a mis dans un événement old school, new school. Et là, elle a pu se mettre en avant. Mais sinon, je danse rarement. Et là, les gens, ils verront qui je suis. Ok, alors pour toi, alors parle-nous de la nouvelle génération. Est-ce que tu, puisque tu les vois arriver, tu les vois tous, est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive en France ou pas là? En fait, il y a une nouvelle génération qui arrive. Les jeunes aujourd'hui, ils sont forts, mais ils n'ont pas la mentale, ils n'ont pas l'état d'esprit. Ils n'ont pas ce que j'aime moi chez Benji, ils n'ont pas ce truc-là. C'est-à-dire, ils peuvent s'affronter tous les week-ends, mais il n'y a jamais un qui va se focaliser sur un b-boy et qui va se dire celui-là, je vais me le faire. Mais quitte à être impopulaire. C'est-à-dire, ils veulent tous être reconnus, mais en même temps avoir une belle image, quoi, une image très plissée, très gentille, très aseptisée, très cool avec tout le monde. Il n'y en a aucun qui veut passer pour le méchant, alors que leur plus grand rêve, c'est de se dire « Putain, un jour, j'aimerais bien monter sur une scène, prendre un micro et affronter la grosse tête du moment. » Mais pour ça, il faut les couilles, il faut le niveau et il faut le préparer. Sauf qu'en France, on a l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils se contentent de leur battle, ils sortent au premier tour, hop, à la niche sur le côté, ils vont s'asseoir et ils regardent l'événement. Mais ils se disent pas qu'à un moment donné, ils peuvent être. Ils peuvent pas prendre l'événement en otage, mais ça peut être leur moment, leur événement. Yuval, ça se prépare. Le mot de la fin. Le mot de la fin, allez plutôt à l'école au lieu de faire de la danse, c'est mieux. Trouvez-vous un travail et dansez par passion. Peace!